amis téléspectateurs, bonsoir. Après les majorettes de Sedon, voici en direct et au loin les vagues de Biarritz qui servent de fond, une fois n'est pas coutume, et de vagues de fond, à la chanson de notre premier invité, Mike Brandt. Vous mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en voudrais raison. Essayez de répondre à ma question. Vous, mes amis, essayez de comprendre. Une seule vie au monde peut me rendre. Tout ce que j'ai perdu, je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors, si vous pouvez, dites-le pas. J'en avais pas. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Vous, mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. Je m'aimerais bien croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. En vacances et sous cette belle nuit de Biarritz, voici la deuxième émission Défendez vos couleurs. Oui. Et tout de suite, eh bien, nous allons rappeler les résultats, Simone, quand même, de la semaine dernière. À Orange, il s'agissait du tournoi entre Rhône-Alpes et Provence-Côte d'Azur. Et c'est Provence-Côte d'Azur qui l'a emporté. De très, très, très peu, d'ailleurs. Oui, oui, c'était un match difficile. Et, hein. Qui finalement est qualifié pour la finale du 26 septembre. Eh bien, ce soir, nous allons donc accueillir deux nouvelles équipes. Et pour cela, nous allons nous reculer, car nous allons les présenter. Et ces deux nouvelles équipes, Simone, sont... Eh bien, il s'agit de la région Aquitaine. Aquitaine...